l'histoire du champagne Gaston Révolte a commencé réellement en 1963, lorsque mes parents ont commencé à commercialiser sous leur nom Gaston Révolte par mon père. Ma mère, issue du milieu agricole, avait des terres qui ont reçu l'appellation champagne, et donc le vignoble s'est agrandi. J'ai repris la relève instinctivement, mon père étant... Il manquait une génération entre mon père et moi, si on peut parler ainsi, donc je me suis retrouvé très vite derrière lui, afin de le seconder. Et puis il m'a laissé la main très très facilement, et voilà, après on est parti. La volonté de faire le meilleur, elle dépend du goût de nos clients. On fait un champagne, on ne fait pas du champagne, on fait un champagne. On essaye de le faire le mieux que l'on peut et surtout sans défaut. On essaye d'être entier et d'être honnête, c'est la principale des choses, aussi bien dans sa tête que dans sa bouteille ou dans son vin. Le pinot noir est la signature du champagne Gaston Révolte, oui, on y tient énormément. On reste en premier cru en pinot noir. Et le pinot noir est un cépage d'excellence pour moi. Sur la technique de fabrication, ce qu'on utilise par rapport à ce qui se faisait dans le temps, c'est tout simplement le bon sens avec le modernisme que l'on peut avoir autour de soi. Donc on n'a plus besoin de faire tourner une roue pour faire marcher un pressoir. L'électricité est là, il y a des pompes, mais le principe ancestral de presse est là. Au niveau des vignes, c'est un petit peu la même chose. On a des moyens techniques valeur aujourd'hui, même si on est avec un cheval, qui nous permettent de faire des charrues, de fabriquer, d'innover avec des nouvelles techniques, des nouveaux outils, et en ayant comme moyen de locomotion le cheval. C'est pas pour autant qu'on est archaïque. Donc c'est un peu l'image de marque que l'on veut se donner. Et on insiste très fortement sur la production valeur aujourd'hui parce qu'on est le premier vignoble en France, en Champagne, à être revenu au cheval à grandeur nature. Sans tradition, on ne peut rien faire. C'est pas possible. On ne peut pas inventer quelque chose comme ça sans passer derrière soi, je pense. L'idée des portes ouvertes s'est développée il y a 11 ans maintenant. Chez nous, vous pouvez retrouver beaucoup d'amis producteurs. L'idée était de pouvoir les accueillir comme certains ont pu m'accueillir chez eux et de faire découvrir à notre propre clientèle bien d'autres produits qui sont sélectionnés par nous au niveau qualité. Et je pense que là, tout le monde s'y retrouve. Et le tout dans un milieu convivial et puis aussi par des passionnés comme moi de leur métier. Les journées au salon de l'agriculture se passent dans un milieu très convivial et là, il y a même de nos clients qui sont surpris de nous voir parce qu'ils n'ont pas fait attention à la publicité qu'ils ont reçue chez eux. Et comme généralement, ils ne montent pas tout seuls, ils sont en famille et autres, donc ils nous font notre propre publicité en venant nous rendre visite sur le stand ou lorsqu'ils passent devant nous et qu'ils sont tous surpris de nous voir. Et à côté de ça, il y a le petit coup de cœur des gens quand ils s'arrêtent au stand, qui mettent quelques euros pour déguster une coupe, et puis c'est le grand amour. Les vendanges à Montmartre, ça veut dire que ça porte bien son nom. C'est important même pour un vigneron champenois. On monte à Montmartre, c'est tout au-dessus de Paris, il y a le Sacré-Cœur. C'est un endroit où je convie tout le monde à aller voir parce que c'est vraiment absolument superbe de découvrir cette fête là-haut, dans ce cadre. Le contact humain reste primordial dans l'exploitation et on est amoureux de nos clients à tout moment lorsqu'on les rencontre. C'est la moindre des choses, on leur doit le respect aussi de nous faire travailler et grâce à ça on continue.